m'appelle Miloko Mengue-Eugène. Je suis producteur de mangue. Je suis issu d'un groupement de base qui s'appelle Koto Alama. Hey, Traoré Sibri. Je suis membre du groupement Mangoso, producteur biologique et équitable. Moi, c'est Madame Sanou Christine. Je suis la coordonnatrice de la Cotrapal. Cotrapal, c'est une coopérative de transformation des produits agroalimentaires. Elle regroupe 3 groupements féminins. Je me présente, moi c'est Étienne Christian Dioma, dont je suis le responsable de Fantic. Et Fantic, c'est une entreprise individuelle qui a pour rôle principal d'organiser la transformation et la commercialisation des produits de Iproma Bio. Iproma Bio, c'est l'union des producteurs de mangue biologique des hauts bassins. La majeure partie des producteurs d'Iproma Bio sont entre 1 et 4 hectares. La majeure partie, c'est quelques-uns seulement, qui, je pense qu'ils sont 3 ou 4 sur les 45 producteurs à avoir plus de 10 hectares. Il y a 3 grandes étapes. Il y a effectivement la production, il y a la transformation et il y a la commercialisation. Bon, la coopérative travaille avec Fantic et Iproma Bio. Iproma Bio, ce sont des groupements de producteurs aussi qui nous fournissent des mangues. Fantic, c'est Fantic qui s'occupe de l'exportation. Sur tout le circuit, c'est le producteur qui mène tout jusqu'à la destination finale. Donc le produit appartient à l'Iproma Bio. Si la campagne démarre, nous informons tous les 3 groupements quels sont ceux qui ont la mangue à maturité et font un programme de livraison au niveau des unités à Bobo-Dioulasso. Donc le producteur envoie, récolte sa mangue et trie sa mangue dans son verger d'abord et le fait transporter à Bobo-Dioulasso. Si ce sont les camions de 10 tonnes là, on fait verser ici sur les bâches dehors, les femmes ramassent ça dans les cagettes et puis faire passer au mûrissement. Et le mûrissement va de 3 à 6 jours, puis c'est en fonction des périodes et c'est la chaleur qui fait mûrir la mangue. Les femmes arrivent le matin, elles trient ça, elles passent ça au lavage dans 3 étapes, même 4 même. Si les mangues sont trop sales là, on peut passer 4 fois. Et puis on rince, on fait passer dans la salle de coupe. Et c'est les mangues qui sont épluchées, découpées en tranches selon la commande du client. Elles coupent, elles épluchent et puis elles coupent. Et puis on met dans les clés. On les étale sur les clés et puis les permetteurs prennent ça maintenant, faire passer au four. Et le séchage dure entre 18 et 26 heures en fonction de la période. Et le lendemain, maintenant, elles font la pesée, elles trient, elles mettent dans les sachets dont les clients ont demandé, et puis elles passent à la soudure. Il y a des étapes qu'on appelle les étapes à risque. À ces étapes-là, il y a un besoin de faire un contrôle de qualité. D'abord au niveau de la matière première. Et là, c'est avec le producteur. Le producteur doit s'assurer que le produit qu'il doit envoyer à l'unité de séchage répond aux critères de qualité demandés. C'est-à-dire que le calibre et la maturité des mangues, donc lui fait le premier tri. Il faut appuyer surtout sur l'hygiène. C'est l'hygiène qui est la qualité. Elle s'est répartie en 2 groupes. Le premier est dans la salle de tri, qui trie les mangues. Le deuxième est en train de nettoyer la maison, les tables, les assiettes, les filets, les clés, tout. Et puis bouillir les couteaux. Elles sortent maintenant. Elles enlèvent les habits qu'elles ont utilisés pour trier la mangue. Et elles portent d'autres habits. Et puis elles portent des blouses, des bonnets, des cache-nez. Elles rentrent dans la salle de coupe. Nous sommes allés vers cette vérification pour la première fois
en 1999. Donc le rôle du bio aujourd'hui, c'est d'arriver à produire sainement, à sans utiliser ces produits chimiques-là pour la production et pour la conservation. Ça, c'est un des avantages, un des premières règles de la production biologique. Nous sommes travaillant dans le bio, ça même, c'est notre propre santé même, ça nous arrange. Ça nous arrange. Et pour nous, les hommes, même l'environnement, parce qu'on n'utilise pas les pesticides, on n'utilise pas l'engrais chimique. C'est la fémure organique qu'on utilise et le désherbage des champs. S'il pleut là-dessus, ça aussi, c'est du compost, quoi. On fait le nettoyage à la machette et l'herbe, tout juste en fin, presque en fin de saison, pour permettre à l'herbe de mourir et ça reste dans les vergers. Et ceux qui font l'élevage, déjà, apportent quand même du fumier dans les champs au moment du labour. La deuxième règle, c'est la traçabilité. C'est-à-dire que quand on prend tout de suite la mangue séchée, quand on sort la mangue séchée biologique, on sait dans quelle unité de séchage ça a été séché. On sait aussi par quel producteur, de chez quel producteur la mangue est venue. Du champ à la fourchette. Donc, on a une traçabilité du produit. La troisième règle, c'est comment arriver à produire sans nuire à la mesure, à l'environnement, au niveau du séchage. On recommande que les eaux usées aillent dans les fosses, que ça ne gêne pas les riverains. Et ça, c'est un. De deux aussi, les épluchures et les noyaux, on recommande aussi qu'elles ne gênent pas aussi les riverains. Et là, la plupart des unités sont en relation avec les éleveurs de porc. C'est-à-dire qu'avec l'équitable, on commence d'abord par te demander qu'est-ce que tu mets, c'est-à-dire combien coûte ton verger. Pour mon verger, il me faut tant de francs pour entretenir mon verger. On te dit ok, donc nous on prend ça en compte. Alors que le conventionnel, lui, ne prend pas ça en compte. Lui, vient et te propose un prix. Bon, ok, d'accord, bon, ta mangue, je paie ça à temps, apprends-nous à laisser. Et au niveau local, peut-être qu'on va vendre, ceux qui sont dans le conventionnel, ils vendent leur mangue à 40, 30, 40, 50 francs. Or, nous, le prix est déjà fixé à 105 francs. 105 francs, c'est beaucoup. L'avantage du commerce équitable, c'est de vendre à un prix juste. Il y a une assurance de paiement et il y a une assurance de livraison. Et c'est surtout ça. Tu sais que ton produit, tu n'auras pas le produit sous ta main. Et ça, c'est une garantie. Quand il s'agit du commerce, il n'y a plus de transfert. Mais le commerce équitable, c'est toute autre chose. C'est vrai, c'est du commerce, c'est vrai, ça nous rapporte, mais il y a une transparence qui fait la différence avec les autres. Et il y a le produit que tu fais valoir et les réalisations que nous faisons. La prime que nous recevons du commerce équitable appartient à l'Uprema Bio. L'Uprema Bio demande à ses membres, c'est-à-dire les trois groupements, vous voulez faire quoi avec la prime de cette année? Par exemple, nous avons construit la deuxième classe de l'école de Kourouka. Au niveau de mon groupement, nous avons décidé de réparer un forage. L'équitable aujourd'hui, avec la vente, me permet quand même de mieux améliorer ma vie de famille, de mieux aménager ma cour et de mieux entretenir le verger. Il y a une grande différence par rapport à avant, quand on n'était pas dans le commerce équitable.